Après 146 visites, Océane, éleveuse de deltaplane, et Marc, installateur de coupe-ongles, sympathique couple mulhousien, a finalement retenu 3 maisons. 3 nids douillets qui pourront concrétiser le rêve d'une vie, vivre sur la côte atlantique et bénéficier au quotidien du bon air de la mer. Prix, emplacement, risque de submersion, le choix final ne va pas être évident. C'est maintenant dans Recherche Maison de bord de mer. Océane. Bonjour Stéphane. Bonjour Marc. N'attendons pas plus longtemps. Allons-y. Marc, Océane, c'est l'heure du choix. Quelles sont les 3 maisons qui font battre votre cœur? Alors le choix a vraiment été dur. Voltairien même. Cornélien, c'est Cornélien, on dit Cornélien. Notre priorité, c'était surtout d'être à 2 pas de la plage. Ouais, on saute dans le maillot, pas dans la voiture, quoi. Et la première, elle est en dessous de notre budget. Par contre, il y a beaucoup de travaux à faire. Ouais, mais c'est l'occasion de construire un étage et de faire des travaux d'étanchéité. Ouais, mais autant construire de zéro dans ces cas-là. La deuxième est charmante, mais c'est vrai que la politique de la commune nous refroidit un petit peu avec le renforcement de la digue qui gâche le paysage. Ouais, c'est un peu l'épée de Démocrite au-dessus de la tête. Damoclès. Vraiment, on dit Damoclès. Épée de Damoclès. Bon, c'est vrai que vivre en bord de mer, c'est pas anodin et qu'il faut prendre en compte les risques. La dernière, c'est celle qui nous a le plus plu. De plein pied, face à la mer. Par contre, elle est un peu au-dessus de notre budget. Oui, cette dernière maison est magnifique. Savez-vous qu'un parc éolien en mer doit être installé au large dans les mois qui viennent? Vous êtes contre les énergies renouvelables, peut-être? Non, pas du tout. Enfin, pas en face de chez nous, quoi. Enfin, c'est pas les espaces qui manquent. En tout cas, Marc, Océane, maintenant, il va falloir prendre une décision. On fait une offre sur quelle maison?